Bonjour à toutes et à tous. Voilà, je faisais bouger tout le truc, vous auriez eu le vertige. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. Nous sommes le... On est le combien? Le premier? C'est pas possible. Non. On est le 1er octobre et apparemment, c'est Fanzel. Fanzel, la commande a été envoyée le 29 et on est le premier. J'ai dû me tromper. Mais ça a été très très rapide. Très rapide. J'en reviens pas d'ailleurs. Et alors je suis contente parce qu'il y a plein de choses. Alors c'est que pour Noël. J'ai testé des petites choses. J'ai dit, allez, j'ai dit au je sais plus qui de Fanzel. Qui je lui ai dit, voilà, je teste les produits pour Noël. Je prépare Noël. Parce qu'avec d'autres partenariats, je prépare Halloween. Et là, ben, je prépare Noël. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 objets, mais je crois qu'il y a dedans, dans un, il y en a plusieurs. Enfin, je sais pas. Hein. Alors, je commence par quoi? Il n'y a pas de toile, hein, je vous signale. Alors, je vais commencer par ça. Petite bricole sympa. Je vais me régaler à faire tous ces machins. Là. Et oui, parce que Noël, j'ai décidé de faire ma décoration diamond painting. Voilà. Mais il y aura aussi de la... Pas du point de croix pour Noël, parce que c'est trop long à faire pour d'ici Noël, même, j'ai pas envie. Et par contre, il y a de la peinture par numéro. Alors, là, normalement, alors, il y a le petit truc où il faut mettre les piles. Voilà. Hop, et il y a tout ça. Donc, c'est une guirlande, en fait. Une petite guirlande lumineuse. Voilà, donc il y a un petit cordon avec des petits trucs tout brillants. Alors, je ne sais pas comment ça s'attache. Hein. Je verrai ça au fur et à mesure, je le ferai avec vous. Et j'ai des petits trucs qui pendent. Voilà, donc vous aurez ça. Je ne sais pas comment ça va fonctionner d'ailleurs. Et ça sera attaché. Ah oui, il y a deux trous. En fait, vous avez deux trous là et là. Et vous devez certainement passer ça pour que ça tienne. Et ensuite, l'embobiner avec le truc lumineux. Voilà. Donc, j'ai un petit bonhomme de neige. Un petit Père Noël, pardon. Un petit bonhomme de neige. Tout mignon, tout rigolo. Encore un Père Noël avec plein de cadeaux dans les mains. Une petite botte de Noël. Là, je ne sais pas ce que c'est, un ours, ma foi, avec un pull de Noël. Une... Bon, je croyais que c'était une... Ah non, c'est pas une cloche, ça. Bon, c'est un petit truc avec une boule de Noël. Là, c'est un nœud avec des cloches de Noël. Le sapin de Noël. Et une boule... Et une bougie. Et en fait, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il y en a 10. Donc il y a le cordon, il y a même deux cordons. Donc on peut soit faire un nœud puis faire une grande guirlande, soit en faire deux. Alors pour le faire, il y a le petit toolkit de base avec les petits sachets, le pain de cire. Et donc au niveau des diamants, ben, ce sont des strass. Réussi à l'ouvrir du premier coup. Alors là, j'ai fait fort. Alors, les strass, ben, c'est des couleurs de Noël. Hein. Enfin, oh, qu'il y en a des beaux. Alors, enfin, c'est des classiques, mais des demi-sphères blanches argentées irisées. Enfin, pas argentées, irisées. Des petits losanges multifacettes, là, tout brillants. Et puis des demi-sphères rouges. Et ensuite, nous avons donc des strass. Donc du bleu, du ocre. Là, nous avons des AB blancs. Enfin, comme des AB blancs. Et vous avez du vert, du bleu. Enfin, il n'y a pas que des couleurs de Noël, mais il y en a quand même. Oh, c'est super joli. Très, très joli. C'est un truc... Je n'avais jamais vu, mais quand j'ai vu, je suis allée chercher, parce que j'étais décidée à me mettre l'accent sur Noël, j'ai dit comme ça, c'est fait pour Noël,
Ben écoutez, j'étais hyper contente d'avoir trouvé des petites bricoles hyper sympas. Alors ça, c'est les strass. Et là-dedans, donc, il y va toutes les petites boules. On va le faire ensemble. On va s'amuser un peu. C'est Noël. Enfin, c'est pas encore Noël, mais bon. Bon, pourquoi ça ne veut pas rentrer? Je me suis trompée de sachet, là, ou quoi? Alors, si, il faut bien les mettre, peut-être. Oui. Et normalement, ça devrait rentrer. Voilà. Hop, et je remets donc les petites ficelles avec du doré. Je vous montrerai peut-être de près, mais bon, de loin, ça suffit quand même. On voit. Voilà. Donc, ça sera pour faire une petite guirlande. Je trouverai bien l'endroit où la mettre. Ah, j'en ai oublié un. J'en ai oublié un, mon petit Papa Noël. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, voilà pour ça. Ah, c'est vrai que c'était dans une boîte en plus. Voilà. Donc, on va essayer de remettre tout dans la boîte sans faire de bêtises, sans faire de dégâts. Je pense que ça tiendra plus comme ça tenait avant. Mais bon, voilà. Ben, ça, c'est super bien. Enfin, moi, je trouve. On la voit, la petite guirlande, là, dessinée. Vous voyez? Voilà. Très content. Très content. En plus, ça, c'est quoi tout seul? Ah, ben, j'ai pris des porte-clés pour faire des boules. Je mettrai les porte-clés, mais les porte-clés, en fait, je préparerai mon porte-clés. Alors, j'ai pris, je crois qu'il y en a 8. Ouais, il y en a 8. Alors, je mettrai le petit truc, en plus, c'est doré. Donc, je mettrai la tâche, et hop, dans le sapin. Alors, j'ai un petit bonhomme de neige. Alors, par contre, c'est diamanté que d'un côté. J'ai un petit bonnet. J'ai, c'est quoi là, un nœud avec une cloche, une petite botte, c'est quoi ça, un pingouin, un petit pingouin, un petit Père Noël, ça c'est de les boules avec un petit nœud avec du houx, je pense, et un sucre d'orge. Voilà. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 attaches. Nous sommes d'accord. Ben, donc, ça, c'est dans le sapin. Je vous ferai des retours de toute façon. Hein, puisque l'année dernière, je vous avais montré toute ma déco de Noël et la déco de table. Donc là, je referai la même chose, mais il y aura du diamond painting en déco. Alors, le petit toolkit de base avec les petits sachets et donc les diamants. Eh bien, écoutez, je vais juste regarder s'il y a quelque chose de spécial, mais à mon avis, non, c'est des strass. Voilà. Toujours du mal à ouvrir ces petits trucs. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai plein de strass et en spéciaux, j'ai des demi-sphères rouges, des plus petites, pareil, rouges, et des demi-sphères facettes, donc couleur irisée. Voilà, et tout le reste, c'est des strass. Voilà. Il y a du noir qui n'est pas strass. Sinon, tout est strass. Voilà, donc pour nouvel objet de Noël. Il y en a qui diront, oui, c'est tôt, mais le problème, c'est que j'ai plein de choses à faire et ça suffira pas, je pense. Si, quand même, j'arriverai à les faire. Voilà, donc ça, eh bien, écoutez, moi, je trouve ça super, super sympa. Voilà. Hop, et je mets tout à l'intérieur, donc c'est des petites bricoles à faire, et moi j'adore les petites bricoles. Deuxième bricole. Ensuite, bah là c'est dans des sachets, donc comme ça. Alors, est-ce que ça s'ouvre facilement?
Oui, ça va. Non, ça va pas. J'ai tout arraché. Alors, on va faire. Alors, j'en ai commandé un certain nombre, mais je ne sais pas s'ils m'auront donné le bon nombre. Voilà. C'est trop, trop beau. Alors, ça, c'est pour Noël, c'est pour les petits-enfants, pour mettre les petits bonbons dedans. Alors, c'est des petites chaussettes, là, chaussons, pantoufles, bottes, qu'on accroche et on diamante. Alors là, c'est tout brillant, c'est tout beau. Et on diamante donc cette partie-là. Donc, j'ai un Père Noël, j'ai un bonhomme de neige et j'ai un renne. Alors, ce sont des lots de trois. J'ai six petits-enfants, donc évidemment, j'ai pris deux lots. Et je trouve ça. Ça sent bizarre. Et je trouve ça super sympa, quoi. Voilà. Alors. Bon, ça doit bien coller parce que le. Ouais, c'est super bien. Alors, par contre, alors, ce sont des strass. Alors, il y a le toolkit, hein, évidemment, pour le faire, de base. Et ce sont que des strass. Oui. Il n'y a que des strass. Donc, je ne vous les montre pas. Il n'y a pas de diamants spéciaux, même pour les yeux, mais à la limite, je pourrais en trouver, moi. Je pourrais en trouver dans mes vieux, mais. Enfin, dans les. Tous les diamants spéciaux qui me restent, mais j'ai la flemme, donc. Oh, c'est super beau! C'est super joli! Donc, normalement, j'en ai un deuxième. Voilà. Alors, plutôt que de l'abîmer, je vais carrément le couper. Voilà. Puisque j'ai six petits-enfants. Et il faut que. Ils aient tous les six. Alors, je crois que les motifs sont différents, donc je ne vais pas mélanger. S'ils m'ont donné les mêmes, on dirait. Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave parce que j'avais choisi des différents. Alors, le Père Noël, ben, je l'ai. Là. Non, ça, c'est un petit quoi? C'est un renne, ça aussi? Non, ça c'est aussi, alors je sais pas, un nounours, un bonhomme de neige. Et c'est pas le même, c'est un renne ça. Et ça c'était quoi alors? Non, ça c'est pas un renne, regardez. Là, le renne il est là. Voilà, donc il faut pas que je mélange. Alors il y avait celui-là, ça faisait partie du premier lot. Et ça c'est le second. Voilà. Donc j'en ai six. Petite botte pour mes petits-enfants, pour mettre les petits bonbons. Ils vont être contents, hein. Alors, je ne mélange pas ça, ça et ça. Ça va avec ça. Voilà. Donc, je vais les mettre dessus. Et ça, ça, ça et ça. Je vais les mettre dessus. Après, je les rangerai. Les toolkits. Voilà, donc ça, je trouve ça super. Super, super. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Alors, ça, c'est quoi? Ouh. Mais je ne l'ai pas commandé, ça. Je l'ai commandé. Oula. Alors, l'emballage, il est un petit peu craquelé, mais bon, j'espère que dedans, c'est pas abîmé. C'est une lumière. Parce qu'à Noël, je mets un max de lumière, moi. Oh là là. Alors, ça ne veut pas partir. Hop. Ah, voilà. C'est un truc qu'on pend à la fenêtre. Alors, vous avez ça. Je vous montre tout. Voilà. Et là, vous avez une ventouse. Et vous. Ah, mais est-ce qu'il y a des piles? Alors. Il faut mettre trois piles. Voilà. Vous accrochez avec la ventouse à la fenêtre. Et ça fait super joli parce que vous avez tout le système là qui est là. Et vous avez donc à diamanter cette partie-là. Donc les diamants, ce ne sont que des strass et du blanc. Ouais. Donc là, il y a du noir, du rouge, du doré et du blanc. Voilà. Et moi, je trouve ça super. Ah, quand j'ai vu ça, j'ai dit, allez-y. Ah ouais. Donc je vous marquerai les prix hein, à chaque fois. Mais c'est super bien, quoi. Super. Alors, je remets ça. Non, je ne vais pas remettre ça dedans. Comme ça, vous voyez.
vous le voyez, voilà. Et ça, ben oui, ça c'est pour diamanter. Et le dernier, alors le dernier, ça brille, ça s'allume aussi. C'est une lampe. Puis elle est rouge, alors ça c'est bien, ça va être joli dans ma déco là. Voilà. Oh, il y a des étoiles. Et voilà, c'est une petite lampe. Hop là. Donc, vous avez tout le mécanisme là. Alors, c'est un Père Noël. Vous voyez. On fait passer, là, vous avez des trous et on fait passer les petites ampoules. Et à l'intérieur, on met le fil électrique. Évidemment, on le met dessus. Par contre, je ne sais plus si ça se collait ou pas. Non, je crois que ça tient bien. Alors, je vais laisser déborder ça pour pouvoir le retirer. Voilà. Et non, c'est tenu avec. Je suis bête. En fait, c'est comme ça, mais bon, c'est dans l'autre sens. Je l'ai mis dans le sens parce que vous avez les pieds là. C'est tenu avec les ampoules. Voilà. Donc, vous avez le petit toolkit avec les petits sachets. Et vous avez les strass. Et il y a donc des petites étoiles dorées. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux. Alors ça doit être peut-être le 12. Là, il y en a une là. Ouais, ça doit être ça. En diamants spéciaux, il y a le 10, le 11 et le 12. Après, c'est tout des strass. Alors je vais quand même regarder ce que c'est le 10. Parce que je suis curieuse. Donc je vais vous montrer quand même. Ouh là là, que je vais me régaler avec tous ces petits objets. Ouh là 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 là. Ah oui, alors le 12, non, c'est une grosse demi-sphère blanche irisée. Et le 11, ça va où le 11? Le 11, il y en a une. Ben, c'est une étoile, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. C'est des petites étoiles dorées. Voilà. Et après, c'est tout des strass. Voilà, donc je... Yeah! Oh, que je suis contente de ce partenariat de mes produits choisis. Franchement, c'est trop cool! C'est trop cool! Donc, y a tout. Hein. Alors, il y a la petite lumière de Noël. Petit truc. On trouve toujours un petit coin pour les mettre, ces petits trucs. Il y a le Père Noël qu'on pend à une fenêtre. Alors, je le mettrai peut-être... mais il y a les filles cette année on va être, ils arrivent à 6, donc 2 pour le 24, et le lendemain on va être une quinzaine, ça va être beaucoup. Et je devais le faire chez mon fils, mais en fait non, je vais garder les traditions de les faire à la maison, et voilà, je suis chez moi dans mes pénates, et je gère mieux en fait, voilà. Donc il y aura ça, donc qui s'illumine, hein. Par derrière, oh, c'est trop génial, il me tarde de les faire. Ensuite, vous avez toutes les petites bottines, les petites bottines, voilà, c'est super mignon. Ensuite, vous avez la petite guirlande, oui ma chérie, vous avez la petite guirlande électrique, et vous avez donc tous les porte-clés de Noël que j'attacherai dans le sapin. Arrête de toucher le socle, toi. Voilà. Donc, j'ai tout ça, tout ça, tout ça. Donc, je vous mettrai les prix, je vous mettrai les liens. Je crois que c'est pas plus cher que ça, il me semble. Et ça doit être celui-là le plus cher. Je sais plus les prix. J'ai pas noté. Je regarderai. Voilà. Et bien, il reste plus qu'à préparer Noël. Mais ça, j'attaquerai après Halloween, novembre. J'aurai tout ça à faire. Ça ira vite. En même temps, j'en testerai quand même devant vous. Ça vous donnera peut-être un petit peu envie. Je testerai. Ça, j'en ai déjà fait un, mais c'est pas Noël. Je testerai ça. Ça, ben évidemment que je vais le tester. Tout, je vais tester. Tout, je vais faire. Tout. Je suis tellement contente. Voilà. Mais écoutez, si cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura donné des envies. Et, ah, il y a un petit poil de Jana, là, déjà. Eh ben. Et je vous souhaite donc de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez ma vidéo. Et je vous dis bye. Alors, je fais juste un petit rajout à cette vidéo, parce que en fait, j'ai envoyé le lien de mes produits choisis le 24 septembre.
Ryan, qui s'occupe donc du site là pour les partenariats, m'a répondu le 29 en m'envoyant le numéro de suivi. Et donc, ben, nous sommes le 2. Le 2 ou le 1? Le premier. Et j'ai déjà reçu, quoi. Nous sommes le premier. Et oui, puisque hier, c'était l'anniversaire de ma nièce, on lui a téléphoné. Elle était du 30 septembre. Nous sommes le premier. J'ai eu le lien le 29. en ayant passé la 24. Bon, on va dire que ça a mis 5 jours. 5 jours, quoi. Ah, c'est trop bien, franchement. Merci. Alors, je remercie beaucoup le site Fanzel parce que je dépassais un tout petit peu le budget et ils m'ont dit que non, il n'y avait pas de souci. Donc, je suis hyper, hyper contente. Merci Fanzel. Merci à vous pour ces objets merveilleux qui vont combler de joie mes petits-enfants le jour de Noël. Voilà. Et cette fois-ci, je vous dis au revoir. C'était une petite précision.